Donc aujourd'hui, ce qu'on a prévu de faire, c'est de partir un petit peu au village qui est juste à côté, qui s'appelle Jiou. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un tout petit village. On a vu qu'il y avait des jeux pour les enfants, donc on va en profiter. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où il fait encore beau, on va dire. Comme si ça s'est bien couvert, il pleut pas normalement aujourd'hui. On a mis quand même un petit peu des vestes, ça, les écharpes, parce que ça s'est rafraîchi. Et bon, on va en profiter aujourd'hui. Voilà, visiter un petit peu le village. J'ai vu qu'il y avait une église et des jeux d'enfants. Voilà, mais tout simplement. Puis après, revenir un peu sur le spot. Voilà. On profite au maximum du beau temps avant la pluie, quoi. Parce qu'après, on va rester enfermé. Et bon, je pense que là, à ce moment-là, on fera les devoirs, tout ça. Mais bon, pour le moment, il fait beau, donc on en profite. Ça y est, nous y sommes. Petit village de Jiou. Avec la petite croix d'époque. Le tout petit village, franchement, on a traversé que des champs. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. On peut apercevoir l'église tout au fond là-bas. Donc voici l'église. Regardez, ils sont en train de refaire le toit apparemment, parce qu'ils ont mis des bâches plastiques sur toutes les tuiles. Tout recouvert, donc je pense qu'ils sont en train de changer les tuiles. Alors, par contre, apparemment, c'est fermé. Donc on pourra voir que l'extérieur, malheureusement. Bon, ça va quand même assez joli. Et juste devant, regardez, ils ont sculpté dans du bois en fait, parce qu'ils ont coupé pas mal d'arbres ici, c'est un peu triste quand même. Des gros arbres comme ça qui devaient être au moins centenaires, je pense. Il y en a plusieurs. Il y en a un juste là aussi. Et regardez, ils ont sculpté du coup une sorte de seau qui est en train de se verser en fait dans une sorte de récipient. Tout taillé dans le bois comme ça. Super bien fait. Et donc juste à côté, il y a les jeux pour les enfants. D'ailleurs, c'est un parking qui est noté sur Park4Night. Là aussi, on peut se mettre. Il y a encore une autre sculpture juste là. C'est assez rigolo. Ils ont fait une cabane avec une porte comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des petits écureuils à l'intérieur. Salut! Il y en a un autre qui est caché derrière des petits champignons. Voilà. C'est super cool. Il y a même des toilettes. Après là j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu représenter. C'est un petit peu cochon. Par contre malheureusement bah, c'est fermé pour l'hiver. Là c'est en hivernage. Doucement, doucement. Vas-y, bon, je coupe. Je suis Falcor le nomade. Voici l'animal. Le Falcor Nounet. Du coup, on est revenu au camping-car. Voilà, on a mangé tout ça et on a envie d'aller voir maintenant les moutons. C'est mon fils qui allait voir. Et apparemment, il y aurait les moutons qui sont pas très loin. Donc, on pourrait se rapprocher peut-être pour les voir de plus près. On y allait tous pieds nus parce que là, c'est vraiment que de l'herbe. Donc, ils ont décidé aussi de se mettre pieds nus. C'est vraiment très agréable. Là, mon fils vient de me dire qu'on pouvait apercevoir. C'est vrai, on les voit. Regardez, je vais zoomer un petit peu. Les petits moutons, ils sont tout au fond là-bas. Là, on retrouve des petites barrières comme ça. Je crois que c'est pour les troupeaux, il me semble, pour pas qu'ils puissent passer. Heureusement, nous, on peut passer par là. Voilà. Allez, viens, gros toutou. Hop là. Et regardez, ils sont juste là. Ils ont eu un petit peu peur de Falcor. Alors, bonjour. Ils sont mignons, hein? Alors, qu'est-ce que vous dites là? Pas grand-chose? Elle se demande un petit peu ce que c'est, Falcon. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton, il est de la même couleur que nous, mais. Ils sont très intrigués. Regarde, le toutou qui est juste là-bas. Lui s'en fiche. Oula, oula, ils sont mis à courir comme des fous. Regardez-les.
Excellent. Alors, c'est agréable de marcher dans la nature comme ça, Ouais, pieds c'est nus? trop bien. C'est tout doux, hein? Ouais. Bon, l'herbe, c'est vrai que c'est agréable. J'ai aplati. On t'a écrasé. Et bon, pour le goûter, hein. Et on va terminer les chocolats. Enfin, terminer, peut-être pas, mais on va continuer à les manger en tout cas. Et à chaque fois, il y a une voiture qui passe et la personne trop gentille nous salue. C'est vraiment trop sympathique. D'habitude, les gens sont plutôt. Des fois, ils aiment pas trop les camping-cars, mais là, non. Je pense qu'ils doivent s'occuper en fait des moutons qui sont un petit peu plus loin, qu'on allait voir tout à l'heure, parce qu'à chaque fois ils passent en fait. Ici, hop, ils passent et puis ils passent par le chemin. Je sais pas s'ils peuvent faire le tour, je pense. Donc voilà. N'est-ce pas, gros toutou? Donnez-moi des chocolats. T'as pas droit au chocolat, gros toutou, mais t'as droit à une petite friandise. Voilà. Regardez, on vient de sortir, là on a passé toute la journée enfermé puisqu'il a fait que pleuvoir. Il y a un magnifique arc-en-ciel qui est en plus en direction des ruines là où on était, c'est juste en bas. C'est vraiment magique de voir ça. On a passé la journée en pilou-pilou là, tranquillement, posé, ouais, parce que bon, il a fait que pleuvoir et que ce soir il y a le soleil qui sort un petit peu. Mais ouais, c'était la tempête aujourd'hui, hein. Du vent, de la pluie. Voilà, et ce soir un beau spectacle. Hop, avec ce petit arc-en-ciel. Ah. C'est très joli, j'aime bien. Donc ce soir au menu haricots verts, j'ai mis aussi des patates qui sont juste en dessous. La casserole est un peu petite finalement, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà, tranquillou. Falcor n'est pas trop sorti du coup, pareil aujourd'hui. Hein, un gros toutou, c'est vrai. Alors, ça a été vraiment une journée, voilà, un peu de jeux vidéo, on a joué un petit peu à Mario. Moi, je me suis reposé un peu, voilà, j'ai fait la sieste. Alors, c'est vraiment une journée chill. Ouais. Vous pouvez voir, ça s'est bien refroidi. Ce soir, ils annoncent 0 degré cette nuit. Donc, je pense que je vais allumer un peu le chauffage. Et puis, peut-être que demain, on va bouger, je ne sais pas trop encore. J'ai vu qu'il y avait une petite ville sympa à visiter. Mais s'il pleut, je ne sais pas trop si on va pouvoir, parce qu'ils ont encore annoncé de la flotte. Voilà, on va voir. Parce qu'il y a une aire de camping-car, il faut que j'emplisse aussi un petit peu les bidons d'eau, parce qu'à 3, enfin à 4 avec Falcor, l'eau part assez vite. Donc, puis il y a les poubelles aussi, j'ai les poubelles qui sont complètement pleines. D'ailleurs, j'en ai mis sous le camping-car, j'étais obligé de changer les toilettes sèches et la poubelle, j'ai mis sous le camping-car en attendant. Et quand on va partir, pareil, on va se trouver une poubelle, parce que malheureusement, sur le spot, comme on est en pleine nature, il n'y a pas de poubelle. Donc, voilà, il y en a pas très loin au village, qu'on avait vu à Jiu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, vider les poubelles, et puis j'ai le recyclage qui est plein aussi. Et puis voir, voilà, voir si on change de spot. Je pense que oui, si je démarre le camping-car, je pense qu'on va changer de spot. Malgré que celui-là est assez calme, on est quand même pas mal exposé au vent. Donc ouais, peut-être qu'on va changer, on va voir. Regardez-moi ça ce matin. Je parle doucement parce que les enfants dorment encore. Il est complètement neigé carrément. Autant en hiver. Je sais pas si c'est de la grêle qui est tombée ou de la neige. On mélange un peu des deux.
Donc voilà quoi. Incroyable. Pensais que c'était terminé l'hiver, mais non. Ça continue. Bon, du coup, maintenant, les enfants sont réveillés, ils sont en train de regarder un petit peu des petites BD comme ça. Ils ont fait aussi leurs devoirs tout à l'heure. Et bah, on va bouger parce que bah, j'ai besoin de remplir l'eau. Donc j'étais en train de regarder justement sur Park Fortnite, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le plus proche, nous on est ici en fait, on est à Jiu. Et enfin juste à côté quoi. Et le plus proche, le village où il y a une station, enfin une aire de camping-car, ça va être Royer de Vassivière. Et je me disais pourquoi pas visiter en même temps le village. Voilà, en plus c'est une petite supérette, donc on va faire 2-3 courses aussi. Donc voilà, on va aller là-bas. Après, je sais pas si on va dormir sur place, que j'ai regardé un petit peu, c'est vraiment le parking en fait de la supérette. Donc ça risque d'être un peu bruyant. Ou alors après continuer. Et j'ai vu qu'il y avait Saint-Martin, Saint-Martin Château. Voilà, qui a l'air d'être un petit village sympathique. Et il y aurait une cascade aussi à aller voir. Donc là, qui est un spot un peu plus en nature. Donc je pense qu'on va peut-être faire ça après. Donc voilà, s'arrêter pour faire le plein d'eau. Faire 2-3 courses, voilà, et puis continuer. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et puis ça permettra aussi d'aller à la pharmacie. Si je commence à avoir un petit peu mal aux dents. J'ai vu qu'il y a une pharmacie là-bas. Et puis mon fils aussi a un peu mal à la tête, donc je reprends un petit peu des Doliprane. Donc voilà, ça permettra de retourner à la civilisation. Ouais, ça fait quelques temps du coup qu'on est sur notre spot en pleine nature. Et c'est vrai qu'on est un petit peu coupé du monde ici. Mais c'était très agréable parce que franchement, on n'a pas eu un seul bruit. On a super bien dormi. Le seul souci, c'est que j'ai pas trouvé de laverie en fait dans tous les petits villages qui est à côté. Il n'y a rien. Faudrait vraiment aller en grande ville, dans une grande ville pour trouver. Donc je sais pas trop. J'hésite un petit peu à laver du linge pour les enfants avec, bah, avec l'eau, tout ça à la main. Le problème, c'est que comme il pleut, et bah, ça va pas sécher. C'est un petit peu le problème. Ou alors laver vraiment le minimum et faire sécher petit à petit avec le radiateur. Je sais pas trop comment on va faire. On va voir si, en espérant que, bah, que peut-être qu'il y a une laverie qui est pas écrite sur Maps. Des fois il y a des petites laveries dans les villages. Bah, je vais peut-être demander au proxy, à la personne qui s'en occupe, pour savoir s'il n'y a pas une laverie dans le coin, parce que c'est vrai que j'ai beau chercher sur le plan, j'ai rien trouvé. Et surtout, bah, faut que je retourne à la civilisation parce que regardez, j'ai plein de déchets à jeter. Là, c'est que du recyclage. Et puis j'ai 2 poubelles pleines. Celle-ci qui est quasiment pleine, c'est des petites hein, de 20 litres. Et une que j'avais laissée du coup sous le camping-car avec un toilette sèche qui est déjà plein, qui est sous le camping-car aussi. Et celui-ci qui est pas loin d'être plein aussi. Donc il est temps quand même de retourner à la civilisation, enfin du moins là où il y a des poubelles, quoi, pour pouvoir jeter tout ça. Allez, bah c'est parti, j'espère juste qu'il va démarrer, parce que je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai des petits soucis en ce moment avec le démarreur. Le lanceur reste collé un petit peu, donc j'en ai recommandé un. Donc voilà, je vais bientôt le changer, mais là j'espère qu'il va tenir encore un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps, il me l'a fait de plus en plus, alors c'est vrai que comme on n'a pas roulé depuis un petit moment, j'espère que ça n'a pas grippé. On va essayer, on va voir. Allez, c'est parti. Ouf, c'est bon. Ça a marché. Allez, bah on dit au revoir au spot de rêve. Hein. Franchement, on était vraiment très très bien ici. Malgré qu'il a plu les derniers jours là. Regardez, là on part, il fait quand même assez beau. Mais par moments il pleut. Hein. Et puis ce matin, la neige, c'était quand même assez exceptionnel. Ça s'est bien rafraîchi. Je pense qu'en été ici, ça doit être vraiment le top. Donc allez, en avant toutes, à peu près une demi-heure, ouais, peut-être 40 minutes. Oula. Allez, mon petit Yves, c'est parti! On est quand même parti sur un champ d'obstacles. Hein. Je suis en train d'essayer d'éviter les trous. Surtout avec la pièce qui est abîmée là, qu'il faut que je ressoute là. De ne pas trop prendre les trous à droite. C'est pas évident de s'allumer là. Heureusement, je m'embourbe pas. La terre est quand même assez tassée. C'est vrai que c'est un peu un chemin forestier ici, donc c'est un petit peu de la bouillasse. Bon, et du coup, comme hier, on avait repéré qu'il y avait des poubelles à Jiu. Je m'arrête vite fait au village. Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut là un peu plus loin, il y a pour faire le recyclage, tout ça. Donc voilà, on va en profiter d'être ici pour vider. Moi je suis sûr de trouver parce que des fois c'est dur de trouver des poubelles jaunes, on n'en trouve pas de partout. Voilà, hop, je me suis arrêté juste à côté.
Voilà, allez, on va jeter tout ça. On commençait vraiment à en avoir de trop. Comme je vous disais, regardez, et les poubelles jaunes et les poubelles normales. Par contre, il n'y a pas le verre, donc il faudra que je trouve une autre poubelle sur la route pour le verre. Bon, ça, j'en ai pas trop encore. Donc allez, les amis, et bien, écoutez, c'est reparti. Bon, bah, je vais parler trop vite, regardez, juste à la sortie du village. Il y a aussi pour le verre, il y avait aussi des poubelles de recyclage. Donc c'est parfait. Allez, je vais jeter le verre tout de suite, comme ça c'est fait aussi. Allez, cette fois-ci, on peut y aller.